J'aimais bien les sons qu'on faisait. Les sons qu'on faisait tourner en boucle. Parce que là. Hop là! Quand même un petit peu mieux comme ça. J'aimais bien les sons qu'on faisait tourner en boucle dans les années 90. Parce qu'ils avaient des boucles, mais avec des sons. Alors certes, ça tourne en boucle, comme ça. Mais avec de la mélodie et de la putain de pédale wah-wah. Y'a plus ça aujourd'hui. Regarde-moi ça en plus, ces putains de danseurs. Bon, on lâche rien dès le matin. Y'a toujours pas mieux que la danse le matin pour être bien. Pour être libre. Une petite parodie là. Allez, on s'est bien échauffé. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, 7h. Oh putain, ouais. Allez, tôt, hein. 7h42. C'est vie. C'est vie. Pas c'est si, c'est vie. C'est si, c'est la noire qu'on voit ici. Putain, elle est grandiose, cette femme. Grandiose. Bah, elles sont toutes grandioses. Des putains de pros de chez pro. Bon bah j'espère que vous allez bien. J'espère que vous en faites autant. Fait hoche, comme dirait ce cher Philippe Nicolic. Ça, c'est la meilleure scène. Je m'en souviens, parce que la série avait 49 épisodes, 50 épisodes. Et je me souviens que c'était le final, ça. Après ça, il y avait un patron. Oh putain. Le plus beau couple que j'ai vu. C'est le plus beau couple que j'ai vu. Plus beau couple de danseurs et plus beau couple de l'époque 1997. Je déteste les années 90, mais il y a un avantage, c'est qu'il y a encore des choses mignonnes. On n'est pas encore dans la grosse vulgarité d'aujourd'hui, quoi. Et puis surtout, il y a des talents. Il y a des talents qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Ah. Ah non, ça c'est pas bon ça par contre. Ah non, c'est pas bon ça. Ah, Sissi Duke, Griffin Fever, Sabine Petit, voilà, cherchez son nom, c'était Sabine Petit. Ah, c'est ça. Ah, Carole de Chantre. Ah, Carole de Chantre. Great. Ok. Ouais, je cherchais les noms, et c'était le nom de Sévie Villette que je cherchais. Parce que Sabine Petit, je m'en souvenais. Sissi, je m'en souvenais, mais pas Duke. Carole de Chantre, comme en vif sans Carole. Et puis bien sûr la meilleure, ça rime avec Griffin Fever. Allez, on se termine le petit programme, parce que mine de rien, l'heure tourne, et pas facile d'arriver dans le 16e arrondissement depuis ce temps. Putain. Bon, c'est cool. Voilà, entre temps, j'en ai fait une bonne dizaine d'un petit peu tout. C'est le temps de s'habiller maintenant. Moi, je voudrais m'habiller, il faut que j'en mêle, c'est ça? Eh ben, je vais m'en mêler. Il est mort récemment. J'aimais bien, il avait joué dans beaucoup de séries.
Eh, c'est pas moi qui le dis, hein. Faut compter, hein. Putain de cheveux. Est-ce qu'ils sont chiants ces cheveux dès le matin? Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Peut-être pas demander au mec. Ah là 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 là. En plus, ils ont atteint une longueur maintenant. Oh, vous avez vu ça un peu? Oh là 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 là. Bon, allez, on a la croix de Johnny, ouais, offerte par monsieur Johnny San Giovanni, hein, avec le Rolling Stones qui va avec. On a la guitare en plastique offerte par maman, le micro de Nathalie Olmi. Hello Nati. Il y a 6 minutes près. Ah, j'aime pas cette scène. Eh, vous avez vu Harmonie? Harmonie de Louise. Yes. Harmonie de Louise. Ouh, Harmonie de Louise. Oups. Bonjour Nini. Tu vois, Nini, là, t'as de superbes danseuses. Ok. Et là, tu vois, juste en dessous, il y a toi. T'es bien accouplé quand même. Il y a quand même dynastie. Je crois que c'est la classe. T'as quand même dynastie. Le visage extraordinaire de John Forsythe. Ok, j'ai compris. Et en plus, t'as même John Collins pour veiller sur toi. La classe. Il y a rock and folk d'époque. Et puis là, il y a Charlotte Valandré. Ouais, la Charlotte. Allez, on y va. Bye. Et dans tout ça, retenez surtout la danse. Le matin, de mieux, il n'y a rien. Et retenez aussi bonne journée. Love you.